faire que les collectivités territoriales s'approprient toutes les possibilités offertes par les services numériques au service de nos concitoyens, sans laisser qui que ce soit au bord de la route pour l'inclusion, et bien sûr dans un environnement qui prend en compte les aspects de durable et également le contexte d'action sécurisée. Cette thématique est d'actualité car elle nous permet, des solutions à base de numérique, nous permet justement, face aux contraintes budgétaires croissantes et aux demandes également et aux besoins des utilisateurs et de nos administrés croissantes, de tirer parti de cet ensemble-là pour proposer des nouvelles solutions et répondre à tous ces ensembles-là de façon astucieuse. Les solutions numériques peuvent apporter une amélioration du service public, une augmentation, un accroissement, un enrichissement des tâches pour le personnel qui les met en œuvre et avoir une meilleure efficacité dans la dépense publique. Moi, je dirais que les collectivités sont en train de combler le retard qu'elles avaient par rapport à des acteurs, notamment de l'environnement privé, et que le sujet, c'est un sujet de ne laisser personne au bord de la route et donc de s'assurer que tout le monde pourra avoir accès. Alors, les principales idées qui sont ressorties, je dirais, le groupe de travail s'est convenu d'une très grande expertise dans les solutions métiers des collectivités. On a beaucoup de solutions qui ont été mises en œuvre par les différentes mairies et collectivités. Donc il y a quelque chose de très riche à mettre en œuvre et à partager. Et le deuxième élément, c'est justement qu'on ne le fait pas suffisamment, et qu'il faut augmenter ces partages. Il faut aussi chercher à mutualiser tout ce qui peut l'être de façon à être tous efficaces ensemble.